vient là, je vais vous expliquer, je vais vous donner un truc qui s'appelle le laser skip. J'ai dit bombe, ouais. Tac. Là, on dash comme un porc avec un peu de chance. Lui, soit il tombe, soit on le tue. Mais des fois, il meurt pas. Donc ici, il y a... Voilà, vous pouvez bomber ce mur. Et ça vous fait une sortie. Et donc, en fait, quand vous re-rentrez, ça vous fait une, ça vous fait une entrée dans le donjon. Et si vous mourrez à un moment, et ben, voilà, vous réapparaîtrez là et pas au début du donjon. Maintenant, je vais vous montrer... Ah zut, il arrive vachement vite. Je vais essayer de vous montrer la phase trap ici. Ah zut, j'ai raté. On va y arriver. Je sais pas. La phase trap, ça s'appelle le laser skip ici. Putain, il me donne pas une bonne RNG lui en plus. Oh, je vais y arriver. Voilà, c'était moi qui étais nul. En fait, faut être, il y a une certaine range de pixels à choper. Voilà, là je l'ai eu. Hop, et voilà, on revient. Donc ça, c'est la manière rapide de le faire. Maintenant, il y a une manière un peu plus lente de le faire, qui est, je dirais, la deuxième manière la plus optimale de le faire. C'est, vous venez, hop, vous arrêtez, vous donnez un slash, vous essayez de pas tomber, vous vous placez, et vous prenez le coffre. Et après, vous... Voilà, vous partez. Maintenant, il y a une troisième manière de faire. Là, si vous venez d'en bas, je sais pas trop comment faire, mais... si vous venez d'en bas, vous faites à peu près les mêmes... Voilà, vous allez faire ça. Prenez la canne de Somaria. Hop, et voilà, et il va tomber, vous avez rien à faire. Après, vous la pétez. Merde. Là, je meurs. Et vous, alors, voilà. Donc, ce dash là, il est un peu dur et il faut vraiment l'arrêter au bon moment, etc. Parce que sinon, vous faites un bonk et vous prenez le dégât comme je viens de faire. Il y a, donc, alors, là, par exemple, vous voyez, vous pouvez faire ça comme ça. Merde. Faut mettre un peu haut pour le pousser vers le bas, en fait, la case de Somaria. Donc, ce que vous faites, c'est vous allez là, jusqu'à ici, hein. Ok. Et après, vous timez. En fait, faut savoir que les lasers, seule la tête, il y a que quelques pixels qui vous touchent, qui ont une hitbox. Donc, faut timer pour vous dire, je passe la tête du laser et après j'y vais. Voilà. Là, par exemple, j'ai pu y aller. Vous voyez. Mais vous avez l'impression que oh merde. Vous avez l'impression que j'ai touché le laser. En fait, je l'ai pas touché. Oups, alors là j'étais un peu lent. C'est ça, cette strat, c'est vraiment une strat faite pour les débutants. Parce que, bah vraiment, c'est vrai que le laser skip c'est dur. Vous avancez au maximum, vous attendez. Hop, et vous montez de suite. Allez, vous prenez le coffre. Vous attendez que le laser arrête. Si vous êtes suffisamment haut, le laser va arrêter en fait ces conneries. Et voilà, et vous continuez. Bien évidemment, là j'ai fait des trucs. Ici,